Bonjour les élèves de CE2. La discipline d'aujourd'hui, c'est la conjugaison. La leçon d'aujourd'hui, le passé composé des verbes être et avoir, préparé par la maîtresse Najat Daoudi. Suivez bien. J'observe. J'ai eu des cadeaux pour mon anniversaire. Mes parents ont été en voyage. Souligne le verbe dans chaque phrase. Regardez bien, j'ai eu des cadeaux pour mon anniversaire. Où est le verbe? J'ai eu, très bien. Deuxième phrase, mes parents ont été en voyage. Regardez bien, ont été, très bien. Deuxième question, quel est l'infinitif de chaque verbe? J'ai eu des cadeaux pour mon anniversaire. On a conjugué le verbe avoir. Très bien. Mes parents ont été en voyage. Nous avons conjugué quel verbe? Être. Troisième question. De combien de mots se compose chaque verbe? De deux mots. Le premier s'appelle l'auxiliaire. Là, nous avons l'auxiliaire avoir au présent. La deuxième partie s'appelle le participe passé du verbe être ou avoir. L'auxiliaire avoir, on prend le verbe avoir, on le conjugue au présent de l'indicatif. Ça donne AI, AS, A, avant, avait, on, avec ONT. Le participe passé du verbe être, c'est été. Le participe passé du verbe avoir, c'est eu. Regardez bien ce schéma. J'ai eu, j'ai été. Là, nous avons l'auxiliaire et là, le participe passé. La même chose. Alors, on prend, pour formuler l'auxiliaire, on prend l'auxiliaire avoir, on le conjugue au présent de l'indicatif. Pour la deuxième partie, c'est le participe passé du verbe conjugué. Je retiens. Pour conjuguer les verbes être et avoir au passé composé, je conjugue l'auxiliaire avoir au présent, j'ajoute le participe passé du verbe. Pour le verbe être, ça donne j'ai été, tu as été, il, elle, on a été, nous avons été, vous avez été, ils, elles ont été. Pour le verbe avoir, ça donne j'ai eu, tu as eu, il, elle, on a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils, elles ont eu. Application. Souligne le verbe et indique si c'est le verbe être ou avoir. Les enfants ont eu peur de cet animal féroce. J'ai eu un petit chat pour mon anniversaire. Le grondement du lion a été surprenant. Nous avons été contents de pouvoir observer le loup. Réfléchissez bien, vous pouvez arrêter momentanément la vidéo pour réfléchir. On corrige. Les enfants ont eu peur de cet animal féroce. Où est le verbe être ou avoir conjugué au passé composé? Ont été. Très bien. J'ai eu un petit chat pour mon anniversaire. Alors, déjà pour la première phrase, ont eu, c'est le verbe avoir. Deuxième phrase, j'ai eu. C'est toujours le verbe avoir. Le grondement du lion a été surprenant. Le verbe c'est a été. Et c'est l'infinitif du verbe être. Nous avons été contents de pouvoir observer le loup avant été. Et c'est le verbe être au passé composé. Très bien. Travail à faire.
Faire l'exercice 4, page 114, rubrique « Je m'entraîne » du manuel. Au revoir les enfants, vous aurez la correction plus tard. À la prochaine!